Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un reportage qui n'a pas été fait à des milliers de kilomètres d'ici, mais en France, qui donc n'a pas été tourné dans un pays en guerre. Et pourtant, c'est une des expériences les plus pénibles de ma vie de reporter. Nous sommes en 1993 et non pas en 2021. Et pourtant, la place Stalingrad est le centre de la vente de crack, je dis bien de crack, comme en 2021. Le crack, à ce moment-là, est une nouvelle drogue qui vient des États-Unis. Alors il faut absolument faire un reportage sur ces pauvres R qui se droguent partout à Stalingrad. Alors, je vous le rappelle, nous sommes en 1993, c'est-à-dire il y a 28 ans. Depuis, rien n'a changé. Alors, comment tourner avec des mini-caméras et un enregistreur Betacam dans le dos? J'opte pour cette solution et je vais me déguiser en clochard. L'homme qui vient m'apporter les petites caméras me montrent comment des petites caméras qui seront glissées au bout de mes doigts, comment déclencher l'enregistreur Betacam qui sera lui dans un sac à dos. Nous sommes le lundi 27 septembre 1993, je commence le tournage. Canal, corridor, escalier, couloir, l'endroit est sinistre. Crack, dérivé chimique de la pâte base de cocaïne, se vend sous forme de cristaux brunâtres. Crack, fumé ou inhalé, la drogue du pauvre. Crack provoque un flash très court avec euphorie, hyperexcitation, hallucination. Crack, trouble respiratoire, pulmonaire et cérébraux. Sous les arcades, les dealers attendent les clients. Le manque, la douleur constante, insupportable, le besoin vital épuisant. Il lui faut sa dose, le prix 100 francs. Il ne les a pas. Heureusement, les cristaux s'éparpillent lors des descentes policières, des bagarres, des bousculades ou des délires. Il doit se procurer sa dose, il doit avoir sa merde. Sans ça, peut-être qu'il va crever à cause de la souffrance. Une femme rampe désespérément, cherchant des cristaux de crack. Elle a encore une copine, une fille qui essaie de l'attirer de là, qui négocie auprès du dealer. Mais elle non plus, elle n'a plus d'argent. Carole n'entend rien. Sa copine insiste. Puis abandonne. Sur la rotonde, des jeunes hommes font le tapin, espérant pouvoir prendre bientôt cette substance qu'ils aiment tant. Se vendre pour une dose. La prostitution, elle avait vite dans un escalier ou dans une voiture. Comme un cauchemar qu'on n'oublie pas. Comme un sale rêve dont on ne sort pas. Cercle infernal. Les garçons aussi se prostituent au coin de la rue.
Là, ils attendent. Le manque, ce besoin atroce, urgent. Tout le reste peut attendre. Un homme s'approche et me demande si je ne veux pas me faire un peu d'argent. Je lui dis oui, ben oui, pourquoi pas. Il m'amène devant une petite boutique. Une vieille dame est à l'intérieur. Il me dit, tu la sommes, moi je prends la caisse. Et on partage. Je l'envoie bouler. Entre-temps, j'ai trouvé un endroit où je peux changer la bande Betacam qui n'est que d'une demi-heure. Une demi-heure d'enregistrement, après il faut changer la bande Betacam. Et donc j'ai trouvé un bistrot chinois, en face de la gare de l'Est, où je peux changer cette bande. Ce bistrot est à environ 600-700 mètres de la place Leningrad. Bon, les tournages se succèdent. Ça fait maintenant 3 nuits que je suis sur place. Vendredi. Je fais une curieuse rencontre. Le livreur technicien qui m'avait amené les caméras à la boîte est là, devant moi. Il fait partie de ces gens qui se calment. Il m'a reconnu. Bon, je l'attrape, je l'amène dans le bistrot chinois. Il me demande pourquoi je suis là, si je fume du crack. Je lui dis non, je fais un reportage, tu le sais bien, mais voilà un peu d'argent et ne me balance pas. Il me dit promis, je ne te balancerai pas. Il chauffe dans sa pipette les restes noirâtres collés sur les parois. Le crack, ce mot, ce plaisir déchirant, il peut encore aller le chercher au fond du tube. Le résidu de crack, il le traque, il le gratte. Il le chauffe. Samedi, je m'applique à saisir les conversations. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de drogués. Le week-end de la cam. Je tourne une première bande qui a l'air d'être bonne. Dealer. Souvent consommateur, mais aussi pousseur. Celui qui pousse, qui propose, qui pousse à la consommation. Crachant sa fumée au drogué qui s'approche et respire son haleine, le mépris de la douleur. Il est 3 heures du matin. J'en suis à peu près sûr, les 15 minutes de tournage que j'ai fait sont bonnes, stables. Il y a vraiment maintenant plus grand monde sur la place et je me prépare à partir. D'un seul coup, la peur me saisit. C'est quelque chose d'indéfinissable. Je ne sais pas. Il y a quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. C'est alors que j'entends derrière moi une voix qui me dit, toi, tu es en train de filmer. La panique m'envahit. Je cours.
Je cours à corps perdu, je traverse une rue. J'entends derrière moi un fracas. Je me dis que mes poursuivants sont en train de se rétamer la gueule. Mais devant moi, je vois des ombres. Des ombres qui traversent la rue et qui viennent vers moi, venant du métro aérien. Et d'un seul coup, je suis plaqué au sol. Je vois une dizaine d'ombres se pencher vers moi. Et puis, c'est la nuit. Plus tard, je reviens à moi. Je suis devant une vitrine du McDonald's, place Stalingrad. C'est assez étrange parce que la vitre de cette vitrine se teint en rouge. Je ne comprends pas pourquoi. Je regarde mes bras et je vois de drôles de jets qui partent de mes mains. Ce sont mes artères qui sont sectionnées. Je redouble de coups. Sur cette vitre, je vois un homme apparaître qui me dit « Non, on ne rentre pas. » Et je m'évanouis. À nouveau. Quand je me réveille, les secours sont là. Je suis à l'intérieur du McDonald's. Les pompiers me demandent qui je suis. Je dis que je suis journaliste. Je leur demande d'appeler un de mes amis qui arrive tout de suite. Tous les tendons de mes mains ont été sectionnés par 8 coups de couteau. 8. Il a fallu l'intervention d'un chirurgien pour reprendre les tendons et les suturer dans les mains. Pendant 6 mois, je suis resté avec des attelles en plastique. C'était insupportable. Mais même maintenant, 28 ans plus tard, j'ai toujours mal aux mains. Alors pour moi, ça a été une expérience épouvantable. Pourtant, j'ai été blessé plusieurs fois par balle, dont une au Vietnam où j'ai pris 2 balles dans le ventre. Mais cette expérience, pour moi, a été hyper traumatisante. Alors voilà, là maintenant, vous pouvez voir dans quelles conditions nous, les journalistes, on peut être amené à faire des reportages et dans quelles conditions on risque notre peau. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez aimé ce récit. Et n'oubliez pas, maintenant, il faut militer pour que le crack disparaisse de Paris. Allez, au revoir. À bientôt.